chiamo Veronica Melis, sono autrice, regista, coreografa, attrice, danseuse. En fait, je m'appelle Veronica Melis, puisque je suis italienne. Mais bon, en habitant dans un pays francophone, on devient Veronica Melis, parce que sinon c'est trop compliqué. Je suis danseuse, comédienne, et puis j'ai créé aussi mes propres pièces, donc je suis chorégraphe, metteur en scène. Je ne me définis pas tellement par rapport à mes origines, dans le sens que je me sens sans prétention, mais un peu citoyenne du monde. Je ne me sens pas définie par l'italianité que je porte. C'est sûr que j'ai écrit cette pièce en m'inspirant un peu de mon histoire personnelle, mais aussi parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'immigrants qui m'ont parlé de leur expérience. Je considère ce spectacle un peu une biofiction. Je me souviens qu'il vient aussi du fait que c'est un peu la première chose que j'ai remarquée, comme tout le monde, dans les plaques d'immatriculation des voitures. C'est une histoire d'une femme, mais qui quelque part représente un peuple qui arrive dans un lieu inconnu. Alors, la première étape de ce travail, ça a été de tourner un court-métrage qui durait 12 minutes, dans lequel on voyait, en fait, je tournais ça en explorant, surtout avec la danse, la ville de Montréal. Donc, dans le spectacle, la vidéo est projetée par fragments. C'est comme si ce personnage sortait de l'écran et arrivait sur scène. Et en arrivant sur scène, il est perdu, il ne sait pas où il est. Donc, il y a une interaction avec le public qui se fait. Le fait d'avoir demandé à Marco Cagliari, à Lucio Altobelli, qui sont d'origine italienne, fils d'immigrants, mais qui n'ont jamais vécu en Italie, c'est pas pour faire un spectacle forcément sur l'expérience des Italiens. Il y avait aussi, je pense, surtout une alchimie humaine et artistique aussi qu'il fallait qu'il marche. Et donc je me suis dit, bon, ça peut être intéressant de faire une confrontation entre leur expérience comme fils d'immigrants et mon expérience comme immigrante reçue, à travers le filtre de Marie-Josée Gauthier, qui est co-metteur en scène de ce spectacle et qui, quelque part, a fait un peu le pont entre ces deux cultures. Marie-Josée est québécoise au 100%. Quelque part, dans ce spectacle, j'ai essayé de faire réfléchir sur ce qu'on projette sur l'autre. Il y a toutes sortes de personnes qui sont venues me voir. Alors, il y avait des immigrants, toutes origines confondues, autant de Québécois qui, quelque part, à travers le regard d'un immigrant, ils se disaient plus conscients de ce que peuvent vivre les immigrants en arrivant ici, puis divertis ou amusés par le regard qu'on peut avoir sur eux. Je considère qu'il y a des choses qui reviennent dans les gens, dans l'attitude des gens, mais il y a tellement de communautés que quelque part, quand tu as la chance d'avoir une salle, un auditoire dans lequel en tout cas, il y a pas mal de communautés ou des origines de toutes sortes de pays, tu as comme un petit monde devant toi, c'est beau ça. Portegazun con stemma rete, na cupulella cavizziere sata, passa scampagnano peduleto. Moi, ce que j'aimerais, ce serait de créer quelque chose avec vraiment un petit monde sur scène, visible ou invisible. J'aime ça, les accents, j'aime ça, les différences physique entre les gens. Et je pense que Montréal, de toute façon, c'est un phénomène qui est en train de devenir... Montréal, c'est particulier parce que ça fait un moment qu'il y a toutes ces communautés-là qui habitent, mais si on regarde les autres métropoles à travers le monde, il y a un phénomène d'immigration, d'échange, de rencontre avec l'autre qui est comme qui est global, qui est au niveau global désormais. Ce que je trouve qui est un peu dommage,
Autant il y a autant de communautés culturelles à Montréal, autant elles sont pas tellement représentées sur scène, je trouve. Mais je pense que ça va venir, mais j'aimerais voir plus tout ça sur scène, aussi dans les scènes théâtrales ou comme dans le cinéma. Ce que j'aimerais, c'est qu'on voit cette différence, mais que les rôles de ces minorités visibles-là soient pas toujours je sais pas, le chinois qui fait partie d'une gang un peu mafia chinoise, qu'on dépasse un peu les clichés. C'est sûr qu'il y a des différences, je veux pas nier les différences, parce que sinon ce serait du racisme au contraire. Il faut assumer ce qu'on est, mais on est aussi parce qu'on est, point. Au-delà du passé, du présent, du futur. Je dirais plus au-delà du passé et du futur. On est quelque chose dans ce moment.